Cosmic. Dans la soirée, ses parents pourront retrouver son corps dans une malle au sein de la cour de leur immeuble au 119 rue Manin dans le 19e arrondissement de Paris. Championne de France d'aérobic, Lola était décrite par tous ses amis et sa famille comme une fille aimant beaucoup le foot, assez drôle, garçon manqué et chipie avec les garçons. Le 14 octobre 2022, peu après 15h, son père s'était inquiété de son absence. En effet, l'étudiante avait pour habitude de rejoindre le domicile de ses parents directement après la fin des cours. Joanne Davier est surveillant dans cet immeuble. C'est lui qui signalera la disparition de sa fille au commissariat après avoir visualisé des images de vidéosurveillance montrant la petite Lola rentrer dans son immeuble, suivie de Dabia qui lui emboîte le pas. Aux alentours de 18h, la mère de la jeune fille publiera sur son compte Facebook un message d'alerte enlèvement. Vers 23h30, la police fera la macabre découverte au milieu de la cour de l'immeuble. Un sans-domicile fixe annonce la présence dans la rue d'Hautpoul de deux valises cabines posées à côté d'une malle en plastique. À l'intérieur se trouve un corps dissimulé par des tissus, ligoté, recroquevillé. Nous apprendrons plus tard qu'il s'agit bien du corps de Lola. Les parents de la jeune fille seront avertis vers 2h du matin du drame qui vient d'avoir lieu. Alors que Dabia Benkired est aperçue sur les images de vidéosurveillance, la police fait d'elle la principale suspecte dans le meurtre terrible. Nous apprendrons par la suite que cette jeune fille est âgée de 24 ans au moment des faits. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. Elle est connue par les services de police pour quelques violences conjugales, mais en tant que victime. Cependant, Dabia n'a pas de domicile et est hébergée actuellement dans l'appartement de sa sœur qui réside dans le bâtiment où vit Lola et sa famille. Dabia est un profil particulier. Elle réside tant chez sa sœur que chez des amis. Elle présente quelques troubles psychiques selon sa sœur. En effet, Dabia n'est toutefois pas connue pour avoir été internée en psychiatrie, mais par le passé commençait, semble-t-il, à se parler seule, à avoir des visions et à ne plus distinguer la réalité de son imaginaire. L'une des sœurs de Dabia expliquera à Carl Zéro que sa sœur avait consulté ce que nous pourrons appeler un sorcier, et que celui-ci pouvait pratiquer des rituels satanistes en utilisant des enfants Zaori. Nous allons étudier sur cette probabilité. Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter du sujet délicat du décès de Lola. Comme vous aurez pu le voir dans la première partie de cette vidéo, j'ai essayé de faire un montage qui reprenait la chronologie des faits en les renseignant avec quelques photos. Je tiens d'abord à m'adresser à la famille de Lola si celle-ci tombait sur cette vidéo et lui présenter mes sincères condoléances. Bien entendu, je vais me montrer respectueuse et très attentive à la façon dont je vais me prononcer et au tirage que je vais pouvoir effectuer. Je tiens aussi à sensibiliser de nouveau par cette vidéo sur des sujets très particuliers. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on a le droit ou pas de dire sur YouTube. Je pense que dans cette vidéo, il risque d'être abordé des sujets auxquels, en Occident, on ne nous a pas forcément habitués de croire. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de regarder des reportages, notamment l'un des derniers qui traitait de ce sujet, qui a été fait autour de la mort de la petite Naïma. Et donc Nabil Flick s'était allé enquêter au Maroc
où il avait appris qu'elle faisait partie des enfants Zaori. Ceci étant dit, je vais commencer mon tirage sans perdre plus de temps. Je vais utiliser le jeu de haut puisque je vais essayer de m'orienter plutôt sur la partie qui concerne Dabia. Dabia qui est la personne qui a commis ces actes horribles de torture. Alors elle n'est pas jugée encore pour l'instant, hein. Elle est incarcérée, mise à l'isolement. Je crois qu'elle se situe à Fleury-Mérogis. Elle n'a pas été jugée comme quelqu'un qui n'était pas responsable de ses actes. Bien que Carl Zero ait fait une enquête passionnante dans son journal et qu'il y ait des vidéos très intéressantes sur sa chaîne YouTube que je vous invite à regarder pour les personnes qui sont intéressées par le sujet, où il a recueilli des informations provenant des sœurs de Dabia qui expliquaient que pour elles, il y avait eu quelque chose de l'ordre un peu de l'irrationnel. Je voudrais voir, du coup, dans ce cas, dans un premier temps, quelle a été la véritable motivation de Dabia lors de cet assassinat. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans un premier temps. Je la garde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce vendredi, dernier jour de la semaine pour la plupart d'entre nous, et bon courage à ceux qui travaillent le week-end. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, il commence à faire très très chaud. On s'en était bien tiré jusqu'à maintenant. Je ne vais pas faire enrager ceux qui n'ont pas d'eau. Mais ça y est, la canicule arrive. Ça, c'est ce qu'on nous dit, parce que moi, j'ai la chance d'avoir un logement dans lequel il fait frais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les motivations de Dabia B dans le meurtre de Lola? Quelles étaient les motivations de Dabia? Allez, on va procéder au tirage. C'est vrai que cette affaire a suscité énormément d'émotions. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à cette famille et bien entendu, ne serait-ce qu'essayer d'imaginer la douleur qu'ils ont pu ressentir. C'est mon chat qui fait ses griffes. Toujours quand j'écris ou quand je prends mes cartes, il rôde. Commencer par ces cartes-là. Donc sur les motivations de Dabia dans cette affaire. La menace, la rigidité, la lassitude, le début, aimer, le cycle. D'accord. Je vais les disposer, j'espère que vous les verrez toujours aussi bien, mais moi, je préfère qu'elles soient disposées par trois. Voilà. Ah, alors, je ne vais pas pouvoir montrer la carte sans me faire censurer. Ce sont les parties génitales d'une femme. Donc on a menacé son intégrité féminine, semble-t-il. Il y a eu quelque chose. Nager dans un milieu de requins. La douleur, la violence, la meurtrissure, sur la lassitude. Pour l'instant, aimer la liberté, les grands espaces,
Oh là 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 là. J'en ai deux ou trois qui sont complètement retournés dans le jeu à ce moment-là. Oula, mais c'est pas deux ou trois. Le tourbillon. C'était le début de la tempête dans son cerveau, je pense. Je vais recouvrir, je vous en dirai plus. Il y a des choses qui me viennent. Donc là, le cycle avec la sortie, la porte de sortie, le parcours pour sortir, l'évolution, monter des escaliers, donc gravir des échelons sur le cycle. Je vais reprendre trois cartes. Deux mots. Esclave. J'espère que vous n'entendrez pas trop mes voisins. J'ai un petit qui hurle beaucoup, tout le temps. Alors, je suis patiente, mais du coup, c'est compliqué quand on fait du home office ou quand on veut présenter des vidéos. Alors, l'esclave, l'espoir et les dettes. Il y a cette carte qui est tombée, donc la carte de la femme. Donc, on est bien sur Dabia. Donc, moi, pour dans un premier temps, ce tirage, donc, pour résumer ce qui a motivé Dabia, on parle de son passé, on me parle que c'est d'une personne qui a subi beaucoup de pression de par sa féminité, c'est quelqu'un qui a utilisé son aspect physique dans un monde qui était rempli de requins, donc elle a su se servir de ses apparences, utiliser sa féminité, mais elle en a eu marre, c'est quelque chose qui l'a lassée, quelque chose qui ne lui correspondait plus, semble-t-il. Elle était au début de quelque chose, elle avait l'impression de commencer une nouvelle vie, d'apprendre à aimer de par sa liberté. Probablement que depuis quelque temps, elle avait l'impression d'avoir franchi un cap, d'avoir réussi à franchir des obstacles dans sa vie tout en s'émancipant. Par contre, elle reste esclave de quelque chose. Voilà. Des choses cachées de la nuit. Alors souvent, la nuit des étoiles, on pourrait aussi voir le côté positif, hein, puisque c'est un ciel relativement clair. Mais pour moi, ça m'indique vraiment les choses cachées. Tout ce qui se fait dans l'ombre n'appartient pas à la lumière. Et pour moi, elle est esclave de ses habitudes. Son espoir, ça aurait été de pouvoir s'évader, d'avoir un avenir plus serein, quelque chose de beau. Et en réalité, la carte de la dette... Ouais, je pense vraiment que Dabia, au départ, avait... Voilà. Bon, ben... Ça me coupe la parole, du coup. La dette, la mort. Oui, donc pour obtenir cette situation pleine d'espoir, cette belle plage ensoleillée, il a fallu payer par la rançon de la prix, le prix pardon, de la vie de quelqu'un. Pourquoi une femme? Il y a une relation de couple hein, qui est intervenue là-dedans. Je vais essayer de recouvrir pour voir. Et de violence. Voilà ce qu'on veut bien nous dire là pour la... Le motif, ce qui a poussé Dabia en fait donc à faire cet acte, on est bien dans quelque chose de vouloir casser son rythme de vie, obtenir un gain. Et pour pouvoir faire ceci et se libérer de tout ce qu'elle ne supportait plus dans sa vie, on lui a demandé de faire un sacrifice. Je vais retirer par rapport à ça. Et je vais retirer avec l'oracle des âmes pour voir si effectivement on peut nous en dire un peu plus. Alors je ne vais pas m'adresser directement à Lola, bien entendu. Respecter la peine de la famille, je trouve que c'est très important. Et du coup, je vais plus m'orienter sur un conseil de la part
d'un guide qui pourrait nous en dire plus sur Lola, ce qu'elle ressent par rapport à cette situation, à son départ précoce, et bien entendu le fait qu'aujourd'hui on ne sache toujours pas ce qui s'est passé réellement, qu'on ait très peu d'informations, ce qui ne veut absolument pas dire que l'instruction n'avance pas, mais j'ai l'impression, et j'ai cette impression redondante, je pense comme beaucoup de monde, que derrière tout ça peut se cacher éventuellement une organisation plus structurée que ce qu'on peut imaginer. Ce qui serait très gênant, puisqu'on a entendu parler de ce monsieur qu'elle cite à plusieurs reprises, comme je le disais précédemment dans la vidéo. Et ce monsieur, on ne sait pas qui c'est. Et en tout cas, si, on sait qui c'est, mais il est toujours dehors. Donc, qu'est-ce qui nous prouverait qu'aujourd'hui, potentiellement, il ne continue pas à pratiquer la magie comme il l'entend à sa façon, c'est-à-dire d'une façon magie noire, orientée purement sataniste et peut-être aussi qu'il fait partie de ces gens qui font des recherches de trésors avec le sang des enfants Zori, ou potentiel, puisqu'elle parle d'argent aussi, hein, elle dit que leurs problèmes d'argent vont être terminés grâce au sacrifice de cette petite fille. Donc je vais demander si on peut, là-haut, nous envoyer un message qui nous en dirait plus sur l'état d'esprit, si je peux dire, de Lola aujourd'hui, et si, par rapport à ce qu'elle a pu vivre, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut essayer de découvrir qui pourrait l'aider et faire avancer la situation bientôt. Donc c'est vrai, comme je le disais, l'enquête est très silencieuse, mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Donc là, on nous dit qu'on... Alors, qu'est-ce que je vais prendre le guide, hein, comme je vous le disais. Et je vais trouver l'entité. Donc, le moment n'est pas venu pour que nous puissions communiquer. C'est trop tôt, aussi bien pour toi que pour moi. Je ne veux pas dire que je ne suis pas là pour toi. Je suis bien présente, mais ce n'est pas le moment. Je suis en train de me libérer d'anciens poids émotionnels et je t'invite à faire la même chose. Et ouais. Alors, je pense que le message, là, il est clairement pour la famille. Donc, je vais le lire avec beaucoup de respect et évidemment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Donc, il y a un poids que tu portes qui ne t'appartient pas et cela t'empêche de te connecter complètement à ton chakra du cœur. Cela peut te donner une image négative de toi, des autres et de ce qui t'entoure. Alors, prends le temps de comprendre la source de ce poids intérieur et prends conscience que même si nous ne communiquons pas, je suis auprès de toi. Prends conscience que ce moment de partage arrivera très bientôt. Et tu vas ressentir ma présence par un signe très concret. Le doute ne sera pas permis, mais pour l'instant, c'est toi qui es importante. Libère-toi et prends soin de toi. Le reste sera ensuite lumineux et limpide. Bon. Voilà, donc je pense vraiment que Lola, peut-être par ce message-là, essaye de nous dire, ou de dire à des personnes en particulier, hein, sûrement à ses proches, qu'il ne faut pas désespérer et que bientôt le procès arrivera avec ce que ça pourra comporter de peut-être libération au milieu de la peine. Par contre, je vais essayer de voir si on peut nous en dire plus sur ce qui est contacté par... en tout cas, s'il s'agissait d'un sacrifice, s'il avait s'agi par exemple de magie, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'entité qui est contactée par ces gens ? La colère. Donc clairement, c'est des gens qui utilisent leur peut-être leur don. En tout cas, c'est pas forcément mauvais, hein, mais là, c'est dans le mauvais sens. On l'utilise à de mauvaises fins et on voit le poignard qui transperce la main. Donc bah, malheureusement, quand on connaît les circonstances, ça peut que nous rappeler quelque chose par rapport à cette affaire. Donc c'est des gens qui sont guidés par de mauvais sentiments. Et des gens, évidemment, qui sont prêts à tout pour obtenir quelque chose de très, très, très égoïste. Ça me confirme ce que je et plusieurs personnes pensent autour de ça. Je vais quand même me référer au livret. Donc, le livret nous apportera... Donc, c'est une entité de colère... Ah oui, du coup, c'est vraiment ça.
On peut nous dire aussi ce qui a animé Dabirella. J'ai été longtemps en colère et pourtant je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. C'est une colère qui se transmet de génération en génération, qui est devenue évidente et une habitude de vie et de réaction. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, je me sentais vulnérable. C'est sa carapace. Cette émotion unit dans la colère et permet de perturber la communication avec les entités en l'occurrence. Donc là, pour moi, vraiment, ça nous symbolise le motif et qui est vraiment sombre. Je vais recommencer un nouveau jeu. Et là, je vais essayer aussi d'avoir des réponses par rapport à savoir si c'est une organisation, quelque chose d'organisé. J'ai du mal à penser que cette femme ait pu agir seule en fait. Elle a demandé de l'aide systématiquement pour faire porter sa valise tout le long de son parcours. Mais bizarrement, elle est descendue seule de l'immeuble. C'est la douleur. Ce qui s'est passé ce jour-là dans cet appartement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils étaient plusieurs? Oh, ça me sort une carte blanche, je m'en sers pas. La carte blanche en général, c'est pour signifier qu'elle s'adresse à la personne qui tire. Je crois, si j'ai bien compris. Je parle plus, excusez-moi, la douleur, l'espoir, sage, le pardon et la stupidité. Sur ce qui s'est passé dans l'appartement, ce jour-là. La douleur de la pauvreté, la douleur d'être sans abri. C'est vrai qu'on sait qu'elle n'avait pas de logement à elle, hein, Dabia. Elle était hébergée tout le temps chez des gens ou chez sa sœur, chez qui elle a commis l'horreur. Alors, l'espoir tombe sur la joie, la gaieté, la sarabande. Ce jour-là, elle a, semble-t-il, voulu mettre fin à une situation trop compliquée. Elle a voulu mettre fin. Alors la sagesse aurait été d'écouter le conseil qu'on lui avait prodigué. Hein. Il y a quelqu'un qui lui a donné des conseils. Il y a quelqu'un à qui elle en a parlé et qui lui a dit que c'était pas une bonne idée. Quelqu'un était au courant. Hein. J'entends. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, quelqu'un savait. Pardon, dans le miroir. Évidemment, elle va plus pouvoir demander pardon, ni arriver à se regarder, je pense. Demander pardon. Dieu est grand, mais l'humain est plus restreint. Et je le comprends complètement. Voilà, la stupidité. Elle demande pardon d'avoir fait cette horreur de découper. Donc ce jour-là, pour moi, elle n'était pas elle-même. Et donc, on voit qu'elle a agi dans une situation en pensant qu'elle allait se sortir, en pensant bêtement qu'elle allait se sortir d'une situation de pauvreté. Et je ressors la dette et le cycle. C'est quand même phénoménal. Et caché. Voilà, on va partir sur le copier. Le coup, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi ce jour-là en particulier? Est-ce
qu'on peut nous dire plus d'informations sur ce jour-là? Alors, la dette, on a tout perdu, tout est parti en fumée en fait. C'est une vision d'incendie, donc la dette par le diable, la dette en enfer. Possible. Le cycle avec la corde qui ne casse pas, qui est solide, mais la corde qu'on tire de chaque côté, donc la force, la résistance. Ce jour-là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est produit au niveau force, je dirais force métaphysique, spirituelle, je pense pas. Voilà, et on cache l'évolution qui on est, les différents visages, les différentes personnalités, le monde des morts. On peut voir des personnes qui sont représentées derrière cette femme, hein, cette femme qui est brune, qui représente bien Dabia. Et je pense que là, c'est les entités possibles dont elle a fait appel et qui se cachaient derrière elle. Hein. Donc pour moi, ce jour-là, il y a eu un élément déclencheur. Je pense plutôt quelque chose de financier. Il y a eu une douleur financière, quelque chose de particulièrement plus compliqué que d'habitude. Ce jour-là aussi, du coup, elle s'est dit, ben moi, je vais peut-être m'en sortir différemment. J'arriverai peut-être pas à me voir dans le miroir et à me regarder en face pendant quelques temps, mais il faut que je m'en sorte. Sauf qu'en réalité, c'était de procéder ainsi. Je pense qu'elle a conscience aujourd'hui que c'était pas la solution, non pas par morale, mais simplement parce qu'en fait, c'est la seule qui se retrouve à trinquer. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui regrette. Donc, ce jour-là, c'est à peu près ce qu'on veut nous dire. Maintenant, je vais essayer de regarder sans les mots, juste avec le jeu de copé, de cop. Vraiment que je me renseigne sur comment on prononce ce truc. Et là, je vais faire parler les cartes selon vraiment moi ce qui me vient en fait. Hein. Pas de protocole. Ok, Dabia B. Elle voulait sortir d'une situation qui était très néfaste, quelque chose de sombre. Elle avait besoin en fait de s'attirer du positif, d'évoluer dans un monde plus doux. Pour ça, elle a voulu faire quelque chose sans regarder les conséquences, en fait. Hein. Elle n'a rien eu à faire, elle n'a pas regardé derrière elle. Elle s'est penchée dans le vide sur cette carte, mais en réalité, elle a plongé dans l'affaire en n'en ayant rien à faire de la vie ou des conséquences. Elle s'est cachée, elle a suivi la petite. On voit que la personne cache aussi quelque chose comme une arme. Ou un, ouais. Donc ça représente bien la situation. Elle a fait appel à quelque chose. Je suis désolée pour la famille, mais il y a vraiment quelque chose qui a été fait dans la magie noire, dans ouais, une incantation horrible. Et l'objectif, alors, c'est de monter sur le trône, peut-être. Ça peut être pour elle d'accéder à un niveau supérieur. On voit que c'est quelqu'un qui tend un fauteuil. Par contre, le fauteuil, en l'occurrence, est cassé, il est bancal, c'est un cadeau empoisonné. Je suis... Ça me fatigue. Ouais. Alors là, c'est l'explosion. Peut-être un nuage toxique.
Ça peut rappeler le soufre, tout ce qui va avec l'odeur du soufre. Ça peut rappeler la crainte d'être découvert aussi. Oui, on a voulu, en fait, c'est bien vouloir cacher quelque chose, mettre un écran de fumée. On l'a aveuglé, on lui a fait croire à des choses, on lui a montré des choses, on l'a aveuglé pour obtenir cette petite fille. Elle a été complètement grugée, perdue dans un labyrinthe, un troupeau, ouais, je sais pas, des mensonges, un lot de mensonges. Avec le temps, on va en savoir plus. On voit qu'il est derrière le fond lumineux. Ce qui permettra au papa de faire son deuil, hein, pour sa petite aussi. Il va pouvoir être plus en paix. Voilà, là j'ai quelqu'un à qui il manque un membre, donc on peut considérer aussi que la famille est amputée aujourd'hui de quelqu'un qui leur était cher. La mère est très triste également, elle a plus de joie de vivre, c'est une personne qui tient une harpe, les yeux bandés. Il n'y a plus de joie de vivre dans ce foyer. On l'a amputée de son rôle de maman. Ça a détruit, hein, comme le pont qu'on peut voir ici, tout a été détruit pour eux. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur le côté sombre? On a une vitre cassée qui est grande ouverte sur une campagne. On peut penser que c'est quelqu'un qui serait un peu un ermite, qui se cacherait dans quelque chose, une structure abandonnée. Une maison perdue, un vieux chalet, une métairie, une ferme. C'est à la campagne, c'est à la montagne. C'est toujours cette carte que j'ai retirée hier avec la personne qui est tenue dans une main comme de la glaise. On sait qu'il y a des statuettes qui peuvent être faites pour la magie noire, planter des aiguilles dedans. L'ours qui attaque, on est vraiment sur une symbolique fortement négative. Donc l'ours en tant que tel, c'est pas forcément plus négatif qu'un autre animal. Par contre, c'est très violent. Là, on voit qu'il est en position de s'attaquer à un humain. Le côté bête, pour ceux qui comprennent les messages, le côté bête qui attaque. La bête, ça peut être le diable aussi, hein. C'est quelqu'un qui agit en toute indifférence, qui regarde pas derrière lui, qui s'appuie. Puis je vois le paysage, enfin ça là, ce rocher. Pour moi, ça peut représenter peut-être les montagnes de certains pays du Maghreb, ce qui pourrait rejoindre ici. C'est possible. Ouais, là on est vraiment face à quelqu'un qui trompe son monde, qui porte un masque et qui s'enferme dans cette personnalité qui fait semblant. C'est quelqu'un qui est complètement enfermé dans son truc. Il ne changera pas, quoi. Voilà ce qu'on peut nous dire aujourd'hui sur cette triste affaire. Avec ces jeux-là. Je vais quand même utiliser un dernier jeu. Je pense que ma vidéo va encore être un peu longue. Je ne sais pas si ça vous dérange ou pas. En tout cas, j'essaie vraiment de faire au mieux, mais je sais que c'est un peu perfectionnable, voire beaucoup. Mais sachez que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et alors, ça peut être controversé, le fait d'utiliser des cartes. Sachant que moi, je n'ai pas besoin forcément d'un support, mais que c'est très compliqué pour moi de me fier qu'à mes ressentis, parce que justement je veux induire personne en erreur et que ma volonté est surtout de ne pas me prétendre
dans la connaissance absolue, pas du tout. On a tous des ressentis, tout le monde en a, et puis certains plus forts que d'autres. Donc moi j'essaye de faire avec, et les cartes en fait ça me rassure, ça me permet de me dire que c'est pas que dans mon subconscient ou dans ma tête, ou je sais pas comment faut dire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'entends beaucoup de gens parler de coutumes qui font que ça c'est considéré peut-être pour certains comme de la sorcellerie. Moi je demande rien du tout au diable, je demande rien du tout à quoi que ce soit, en fait, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est ma foi, ma religion, qui ne regarde que moi, et je ne parlerai pas de ça ici. Mais en tout cas, sachez que dans tout ce que je peux faire, qu'il s'agisse des soins ou qu'il s'agisse des tirages, je ne m'adresserai jamais, 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 au grand jamais, aux forces obscures. Je suis persuadée qu'on peut nous avoir mis des beaux talents qui ne viennent pas forcément du diable. Alors, je vais regarder... Avec le résilio, si on tire une carte sur les animaux totems, qu'est-ce qui est intervenu comme force ce jour-là dans cette situation? Quelle force est intervenue? Ok, je ne connais pas ni le pingouin ni la chauve-souris, mais les deux sont tombés, donc je vais regarder les deux. Donc là, on est plus sur une interprétation, on va dire, de tempérament qui serait liée un peu aux animaux et à leurs traits de caractère. Donc, ce qu'on peut regarder ici, c'est qu'on est sur quelque chose de familial. Donc, ce jour-là, de familial ou de groupe. Donc, ce jour-là, pour moi, il y avait vraiment plusieurs personnes de concernées. C'est quelque chose... Les pingouins, ça vit en famille, c'est solidaire, ça reste en couple... Il y a une hiérarchie, c'est très structuré. Donc pour moi, il y a vraiment une organisation derrière tout ça. Et la chauve-souris, c'est l'animal qui représente dans la légende le vampire, l'animal qui vit la nuit, qui tue, qui pompe le sang, qui vide de son sang. Donc voilà, ce jour-là, c'est vraiment un groupe d'individus qui a agi malheureusement pour certainement le sang de cet enfant. Comme vous pourrez voir, j'ai zoomé sur l'une des mains de Lola qui est ressortie sur une de ses photos et on peut constater, alors qu'elle a des traits physiques d'enfant Zaori, c'est vrai. Et en plus, elle a la ligne qui lui traverse la main totalement. Voilà les yeux avec un léger strabisme, les cheveux blonds. Ouais, on nous parle du confinement. Alors, c'est pas trop ce que... C'est pas ça. Moi, ce que je voudrais, là, c'est vraiment compléter et finir pour savoir quand même si... Alors, je vais pas demander si Lola a souffert parce que ça me paraît évident que, vu ce qu'on nous a raconté, sûrement oui. Et j'ai pas du tout envie d'être confrontée à des images que je pourrais pas assumer. Mais j'ai une question qui m'interroge vraiment et que j'ai du mal à poser peut-être par peur de blesser, mais j'aimerais savoir pourquoi le maire de New York a décidé de faire une donation de beaucoup d'argent pour créer une fondation pour Lola en France, sachant que ce même maire a été trempé dans l'affaire Epstein, donc les viols d'enfants dans des îles. Et bon, il exerce toujours, hein, évidemment, mais pourquoi il est venu donner son soutien, en fait, et pourquoi de l'argent Parce qu'il y a une organisation avec des bureaux, des gens au téléphone, ça bouge dans tous les sens. Qu'est-ce que le maire de New York vient faire dans cette histoire et pourquoi créer cette fondation? Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la mère de Lola qui en a parlé en fait dans l'hommage à sa fille. Donc c'est le silence, hein, c'est l'omerta. Il cache les vraies raisons. Voilà. Alors après, on peut penser que c'est des oiseaux, on peut penser que c'est des chauves-souris, on peut penser surtout qu'on est attaqué par quelque chose de pas très rationnel et de pas rassurant. Je fais pas un tirage sur lui, ça m'intéresse pas, mais je voudrais connaître le fond... de cette grande générosité. C'est un piège. C'est un piège.
C'est un piège. Et du coup, ça me rappelle vraiment que cette organisation peut ne pas être que française. Il y a cette carte qui vient de tomber. Donc après le piège, on arrive sur un couple. Et je suppose qu'effectivement, avec Dabia, on avait bien un homme. Je perds ma voix, j'en suis désolée, mais j'ai plus d'énergie. Il veut se montrer gentil, il veut se montrer compatissant, ça c'est ce qu'il nous donne, mais quelle est la vraie raison? Je vais tirer une dernière carte. Et ces deux sont tombés, alors qu'est-ce que ça va nous dire? La vraie raison, donc, ouf, bah non, il n'y en a pas deux, il y en a plein. Alors pardon, je recommence parce que j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une ou deux, et là il y en avait cinq. Bon. La vraie raison de cette donation, ça pourrait être la solidarité, mais on voit encore une fois le pied seul, quelqu'un qui n'est pas fiable, pas stable, qui a donné une fausse raison. Et une dernière carte pour voir un petit peu quelle sera vraiment, enfin, si on peut nous résumer tout ça. On ne sait pas, parce que pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. Mais c'est quand même celle-ci qui est sortie, donc je tenais à vous la montrer, parce que c'est le théâtre, hein, c'est la comédia dell'arte. On nous joue la comédie, et bon, je pense que je n'irai pas plus loin. Mais on nous joue aussi quand même, on nous joue la comédie sur les enfants et sur la paix. Voilà pour les soutiens très, on va dire, mitigés que peut recevoir la famille de Lola. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps et que ça vous aura surtout intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine fois, je vais partir sur un sujet vraiment très différent. Et alors, peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde. Je voulais quand même essayer de parler de l'actualité médiatique qui concerne les influenceurs, l'agence notamment de Shauna Evans, Magali Berda, et regarder qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à ce monde et à son évolution dans les mois à venir. J'espère que ce sujet saura vous intéresser et que vous serez nombreux au prochain rendez-vous. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.